Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 et aujourd'hui ça va être une vidéo dédiée aux settings sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Alors étant donné que j'ai pu jouer sur PS4 ou PS5, j'ai pu justement voir les choses positives de ces settings là et d'autres settings que j'avais mis de base qui sont malheureusement complètement buggés par rapport aux anciens Call of Duty. Je dis aux anciens, je dis Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty Vanguard. Donc je vais vous expliquer tout cela en une seule vidéo pour que cela vous aide au maximum. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et de défoncer la barre de like, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures. Ça aide au niveau du référencement, ça m'aide tout court parce qu'on aime en tant que youtubeur recevoir un maximum de likes. Et en même temps, ça monte si, en même temps, ça vous a aidé en tant que vidéo au niveau des settings. Et je suis également tous les jours en live sur Twitch, donc tu sais quoi faire. Dès que tu auras regardé cette vidéo, je serai en live sur Call of Duty Modern Warfare 2 en train de grind les camouflages. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires également s'il y a quelques changements par rapport au PC. Et après, je vais vous proposer ma première nucléaire réalisée sur Call of Duty Modern Warfare 2, qui est à la M4, que prochainement, je vous ferai une best class setup dessus, évidemment. Donc au niveau des paramètres, on va déjà parler des paramètres manette. Pour ceux qui savent, je suis avec une manette à palette Burn, avec le code Locked, pour 5% de réduction dessus. Honnêtement, bah vu que je joue avec, je n'ai pas besoin de jouer autrement avec ma manette. Mais effectivement, il y a d'autres settings disponibles. Personnellement, je joue avec le L2 R2. Je suis habitué ainsi, mais tu peux très bien jouer avec le L1 R1, évidemment. Mais personnellement, j'ai toujours préféré jouer avec le L2 R2. Pour ce qui est de la sensibilité, personnellement, je suis toujours vers une sensibilité 6-5. Ça a toujours été des sensibilités plutôt assez moyennes, mais ça, c'est de nouveau comment vous vous sentez, comment jouer au jeu. Le multiplicateur de sensibilité de visée, vous pouvez le descendre ou le monter. Moi, personnellement, je reste toujours à 1. C'est une question d'habitude, hein, évidemment. Maintenant, on va attaquer le côté avancé. Donc, j'ai mis directement aide à la visée, ce qui est normal. Et là, c'est une aide à la visée que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. C'est pourquoi je n'ai pas choisi l'aide à la visée Black Ops et j'ai décidé de prendre celui par défaut. Alors, j'ai beau avoir testé celui de PlayStation 4, PlayStation 5, je ne sais pas pourquoi, l'aide à la visée Black Ops, elle fait que de bugger. J'ai fait que des tests hier entre PS4, PS5, essayer à chaque fois de rebrancher le truc, rejouer sur PS5 avec l'aide à la visée Black Ops, elle est full buggée. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est mes pires games que j'ai fait avec l'aide à la visée Black Ops. De temps en temps elle marche, de temps en temps elle marche pas, je sais pas du tout pourquoi. Donc je suis resté par celui par défaut, précision je trouve que ça peut être assez intéressant, et concentration c'est vraiment en mode noob, hein. C'est vraiment le truc, il reste bloqué sur le truc mais tu peux pas switcher d'adversaire, donc c'est complètement inutile. En type de courbe, j'ai décidé de prendre le dynamique, que je trouve qui est le plus intéressant. Le multiplicateur de sensibilité de visée, personnellement, je suis à 0,8, mais évidemment, vous pouvez changer comme vous avez envie. Moi, personnellement, je trouve que 0,8, c'est absolument parfait. Et au niveau de la zone morte des mouvements, alors je suis à 0,4 et 0,4 sur les joysticks gauche et joystick droit. En vérité, joystick droit, vous pouvez un peu l'augmenter. Personnellement, je ne sens pas une énorme différence là-dessus. Mais c'est comment vous décidez tout simplement de le faire. Au niveau des paramètres du sprint tactique, alors moi, personnellement, bah, c'est de nouveau toujours la même chose, hein. Je décide d'appuyer deux fois, même s'il y a un autre settings qui est beaucoup plus important après, que je vais tout de suite vous montrer, qui est le sprint tactique automatique. Je le mets tout de suite, je ne cherche pas à comprendre s'il faut choisir le mettre ou pas, etc. C'est beaucoup plus simple et on se fait vraiment pas chier sur le coup, donc je vous le recommande également. Après, il y a d'autres settings, ceux de Warzone qui vont débarquer, qu'on voit comment de plaques d'armure utiliser une seule. Bon, ok, malheureusement, c'est ainsi. Pour le moment, il n'y a pas Warzone, mais vous saurez quoi faire lorsque Warzone débarquera. Pour ce qui est des graphismes, alors déjà, le flou de caméra, c'est à enlever. Le flou de mouvement d'arme, c'est à enlever. La profondeur de champ, c'est à enlever. Mais par contre, il faut mettre le Fidelix Cast. Et il faut le mettre, personnellement, je trouve qu'à 80, c'est parfait. Vous pouvez le descendre entre 60 et 80. Ça dépend, personnellement. J'aime bien à 80. Je trouve que ça le fait plutôt assez bien. Le champ de vision et le fameux FOV qu'on a enfin de retour. C'est dans la première fois sur Modern Warfare, du coup. Puisque Modern Warfare 2019 ne possédait pas. Ce que je vous recommande fortement, c'est de jouer entre 110 grand maximum, hormis si vous êtes sur PC, 110 et 90, c'est là où la tranche est la plus intéressante. Personnellement, j'ai toujours été à 105, que ce soit sur Black Ops Cold War, Vanguard, etc. Et j'aime bien cet FOV, donc je ne toucherai pas, évidemment, là-dessus. Au niveau de la luminosité, personnellement, je vous recommande de laisser à peu près comme c'est, entre 47 et 49 ou 48. Ça dépend vraiment de savoir comment vous voulez faire le truc. Au niveau de l'audio, je suis en volume général plutôt assez élevé. La musique, j'ai directement descendu parce que ça sert à rien. Volume des dialogues, ça dégage. Je pourrais même encore descendre en fait le volume des dialogues. Mais en vérité, s'il y a quelqu'un qui est en train de dire « Ouais, c'est en train de prendre B, c'est en train de prendre C, etc. » Donc
Pas besoin de plus, évidemment, et évidemment, le mixage audio directement dans le casque. Mais après, c'est à vous de savoir comment vous voulez absolument gérer la chose là-dessus. Voilà, c'est tout au niveau des settings, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est tout au niveau des paramètres, j'espère que cela vous aura plu. Et je vous laisse avec ma première bombe nucléaire sur Call of Duty Modern Warfare 2. Eh ben, c'est parti. Ah, dommage. La demi. Ah, c'est dommage que ça soit pas de... Ouais, dommage que ça soit pas Panstrat. Oh, double kill. Sécurisation de Bravo. Parfait. Petite moins 3 comme ça au début, j'aime bien. Par contre, j'entends personne. Ouais, ok, d'accord, t'as failli me la mettre. Tranquille, tranquille. C'est une terre-pote, hein. C'est un peu bizarre là quand même. Il était très bizarre là quand même. Oh, j'enchaîne tellement là. Oh, j'aime quand je peux enchaîner comme ça. Allez, fais du kill, la dab. Par contre, je vois personne. Where are you, my friend? Ok, il y en a un sur B. Ils sont où? Je vais mettre le radar portatif parce que là, je n'ai... Ça fait mort. Mais ils sont où? Oh, revenez là, non? Oh, mais la gueule du type quand même là. Oh, la gueule quand même là, monsieur. Ah, je crois que les spawns ont tourné. Non. Oh le bordel. Oh le bordel. Je sais pas comment je suis en train de survivre là. Je ne sais pas du tout. Ah, chaque fois je me fais avoir. Chaque fois j'ai l'impression que c'est un gros crâne mais en fait non. C'est le baril avec... chaque fois je me fais avoir là. Est-ce que j'ai assez de mun? Ouais. J'ai assez de mun au cas où. Mais en fait, le truc, c'est que... Mort. L'ennemi sécurise Alpha. Bon, c'est l'ennemi sécurise Alpha. Non! Attention! L'ennemi a capturé Alpha. Je vais mourir. Série de 20. Drone ennemi actif. Mais il meurt! Non! What the fuck? Notre drone de brouillage. Ouais, non, mais là. Attends. Bon, je l'ai tué. Il m'arrive que des dingueries là. On perd le point Alpha. On est à mi-chemin de la victoire. En train de perdre A. Je bouge pas. L'objectif Alpha est compromis. Reprenez. Essaye de me. Radar portatif déployé. Essaye de me référer au bruit de pas un peu là. Ah, ils sont tous sur moi là. Putain,
Putain, pourquoi j'ai pas d'assist là? Ok. Ok. Parfait. Je crois que je suis à quelques kills d'avoir la nuque là. Mort. Mais je suis à combien? J'ai plus beaucoup de mines. J'ai même plus beaucoup de mines. Mort. C'est bon, viens de l'aider. Bombe à neutrons. Let's go, j'étais à 29. Oh, c'est bon. Oh, let's go, ma première nucléaire. Let's go. Oh, ça fait plaisir. Bah, je vais continuer un peu. Let's go. 32. Ah, vas-y, on essaye, hein. Par contre, ouais, c'est... Non. Oh, non, dommage. Le truc électrique à 2 balles. Bah, vas-y, j'ai envie de check l'animation, là. J'ai envie de check l'animation. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, le bruit fait peur. Par contre, le bombe à neutrons, ouais, c'est... Allez, vas-y, fais péter la map, là. Fais péter la map, mon pote. Elle est cool, l'animation. Et eh ben je suis content parce que c'est ma première bombe nucléaire du coup. La toute première. Ouais, j'aurais galéré hein, mais bon. 39-1. Genre 39-1. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like. Et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.